foudre, les mesures à prendre. La formation d'orages en plein été est courante et le service de la météorologie d'Apandinoumbi nous donne quelques conseils de précaution. Le plus dangereux dans l'orage est la foudre qui frappe sans prévenir. Les conséquences sont parfois fatales. Le service de la météorologie tient à faire savoir qu'il est déconseillé de sortir ou d'effectuer une activité prolongée en plein air par temps orageux. La foudre frappe le plus souvent à l'extérieur et il est donc important de ne pas se mettre en situation de cible. Il faut également s'éloigner des points culminants, saillants et métalliques et surtout ne pas se réfugier sous un arbre isolé. Et pour finir, éviter les douches et les bains en temps orageux.